collaborer avec ses subalternes, c'est savoir les reconnaître d'abord comme des êtres humains. Et non pas des êtres humains de deuxième, troisième catégorie. Des êtres humains créés à l'image de Dieu comme toi-même. Une bonne collaboration amène à la paix. Lorsqu'on ne sait pas collaborer, bien-aimé, ça sera la déchéance. Un DG doit savoir coopérer même avec son chauffeur. Pas l'écraser, le minimiser. Voir comme si c'est quelque part un rebut pour lui marcher dessus. Même cette personne qu'on considère comme étant le bout de l'orteil, comme cette personne qu'on considère comme n'étant rien dans la vie, sache que quelquefois Dieu fait des surprises et peut faire en sorte que cette personne se retrouve élevée un jour quelque part et puisse être la personne qui va défendre ta cause quelque part. Mais si ça n'a pas été le cas,